Actuellement, le dispositif Sentinel, bon, qui est un dispositif national, ça a été suite aux attentats à l'attentat de Nice. Le président de la République a demandé à ce que nous montions le dispositif, voilà, cette opération Sentinel, à 7000 hommes. À ce titre, des unités ont été réparties sur tout le territoire national, de façon à arriver à ce niveau de 7000 hommes. Et pour le département du Var, nous avons reçu des unités, dont l'une des missions, entre autres pour Toulon, et de sécuriser tous les établissements scolaires qui sont actuellement ouverts, c'est-à-dire les écoles, collèges et lycées, sachant que les universités sont fermées, ainsi que tous les édifices religieux, quelle que soit la confession, plus quelques sites plus sensibles, comme le tribunal, voire la préfecture ou la gare, qui sont des lieux d'affluence. Le lycée Bonaparte, nous étions positionnés durant la rentrée aujourd'hui, de façon à sécuriser l'arrivée des élèves dans le lycée. Parce que je pense que la mission de Sentinelle est parfaitement comprise par la population française qui sait que nous sommes là pour la sécuriser face à la menace terroriste. Les gens apprécient de voir cette force armée qui est là et qui les sécurise et se sentent beaucoup plus tranquilles lorsqu'ils voient du militaire dans les zones d'affluence en particulier.